Il est 5h58 du matin. On va prendre un petit bateau à longue queue, thaïlandais, typique, pour se rendre à Maya Bay et pour se rendre à Koh Phi. C'est dingue d'être là sur la plage à 6h du mat, il n'y a personne. Et c'est un peu une ambiance particulière, il a plu toute la nuit, donc là il fait très humide, il fait quand même assez chaud. J'espère vraiment qu'on soit les seuls à arriver sur Maya Bay, ce serait tellement magique et ça prendrait toute une autre dimension. Ok, on pensait être genre les premiers ou pas forcément les premiers, mais regarde un peu. Voilà. On s'est levé à 5h du mat. Bon, première surprise, et ça je savais pas, mais quand t'arrives sur l'île, tu payes 400 bahts par personne. 30€ c'est le prix pour le bateau toute la journée, pour aller faire Koh Phi, pour aller faire les îles aussi aux alentours, et pour faire ici aussi Maya Bay, et pour faire toutes les autres criques qu'il y a tout autour. Et en plus de ça, tu dois payer aussi 10€ quand t'arrives sur l'île, ça on savait pas. Donc comptez 40€ quoi pour ce genre de journée ici. On s'est fait des potes, je reviens là-dessus, c'est vrai j'en avais pas parlé. On s'est fait des amis français à Koh Yayay il y a 2 jours. Et puis on avait décidé de prendre un bateau tous ensemble. Et voilà, c'est cool, comme quoi tu rencontres toujours du monde. Je voulais la voir une fois, je voulais vraiment venir ici. C'est fou d'être entouré par les rochers typiques de la Thaïlande et de la région de Phuket. Et même quand tu viens ici très tôt, tu vois finalement il y a encore beaucoup de monde, regarde cette plage. On va aller de l'autre côté à pied, puis ensuite on va reprendre notre long Thai boat thaïlandais, faire le tour de l'île, aller voir aussi d'autres criques moins connues ici sur Koh Phi. Bon, malheureusement, t'as vu l'endroit. Ça aurait été bien sûr génial en drone. Et non. J'ai pas fait voler le drone longtemps. Il y a des gardes-côtes en fait là-bas, voilà, le bateau avec les gilets. Monkey Beach à Koh Phi. On est à Koh Phi, donc on a changé d'île. Et donc on arrive sur cette île qui est assez connue pour tous les singes. Encore du monde ici, moins que sur Maya Bay, c'est chouette. Ok, on vient d'arriver à Koh Phi. On va passer le midi ici, on va manger, on va essayer de trouver quelque chose de pas très cher. Reprendre le bateau et refaire le tour de l'île de l'autre côté, puis on aura fait une sacrée bonne journée ici sur l'île. Bon, on a bien mangé ce midi, on est allé au Pattaya Restaurant, super indien, et là on va reprendre le bateau direction l'autre côté de l'île et on va se baigner sur les autres plages qui nous restent.